Mes chers amis, je m'attendais à ce qu'il y ait des plaisanteries sur le suspense de cette élection, sur, sur le score. S'il n'y avait pas les événements en Russie que nous savons, j'aurais naturellement plaisanté sur l'élection du président russe. Je crois que j'ai fait 1% de mieux que lui. Donc. Euh, je suis très heureux de ce résultat parce que c'est un témoignage de confiance et c'est un témoignage de foi dans notre avenir. Et c'est de ça que je voudrais naturellement vous dire un mot. Mais la première chose, c'est vous dire le bonheur que j'ai à être à Bois, parce que ici, dans Loir-et-Cher, il y a une partie de notre histoire. Euh, on ne remonte pas jusqu'à François Ier et Marc, euh, mais euh, et Henri IV et, et tout ce qui est en effet euh, advenu à la suite de cet événement dans lequel le, le duc de Guise s'est retrouvé plus grand mort que vivant euh, au château de Blois. C'était déjà un extrême. C'était déjà une tentative. De s'opposer à la réconciliation. Mais elle a été tranchée un peu sommairement. Et quand je dis tranchée, le verbe n'est pas totalement mal choisi. Euh, et donc, euh, je suis très heureux d'être ici à Blois. Euh, Peut-être si quelques-uns d'entre vous croisent Jacqueline Gouraud. Vous pourrez lui dire notre amitié, notre affection, notre admiration pour le parcours qui est le sien. Nous nous sommes rencontrés ici il y a quelques années et nous avons, avec Marie-Hélène Millet qui a tant fait pour l'organisation du Congrès que je vous demande d'applaudir, nous avons beaucoup bâti et beaucoup ri aussi. Et que Marc Fesneau ait été élu aujourd'hui président de la Fédération du Loir-et-Cher du mouvement démocrate, et qu'il occupe les fonctions qu'il occupe, et qu'il soit à mes côtés aussi engagé, aussi important pour notre avenir, ça a évidemment une signification que je veux relever. Je veux vous dire que, euh, peut-être à l'intention des observateurs qui sont très nombreux dans, ce, dans cette rencontre, c'est un congrès, pas un meeting. Euh, ici, il n'y aura pas pendant ce week-end de calicots, de drapeaux, de slogans et, et d'applaudissements euh, multipliés. C'est un congrès. C'est-à-dire, dans la tradition de notre famille, euh, un moment où on euh, s'écoute, où on réfléchit ensemble et où on construit ensemble. Vous avez sur la table les contributions qui ont été apportées, très sérieuses, avec beaucoup de, de soirées passées euh, dans des commissions thématiques que nous appelons les villages. Et je veux saluer, je vous demande d'applaudir, les animateurs des villages. Cette notion de village, elle est partie euh, d'une réflexion que j'avais faite autrefois, euh, au début des campagnes présidentielles. Cette réflexion, c'était que dans une circonscription de députés la mienne à l'époque avait 92 communes, il y avait une ville et 91 villages. Et j'avais fait la réflexion que euh, les médecins, les, euh, les agriculteurs, euh, les euh, chefs d'entreprise petites et moyennes, tout ça, ça constituait en fait des villages. Et qu'il était bien que la voix de ces communautés qui sont si importantes dans notre vision de l'avenir et que delphine a évoqué tout à l'heure à la tribune la voix de ces communautés puisse se faire entendre dans le débat. Et donc c'est une mobilisation autour de convictions profondes et d'idées nouvelles. Alors on a la chance de pouvoir célébrer une histoire à laquelle nous sommes je suis, euh, profondément attachée et dans laquelle nous sommes, et je suis profondément enraciné. Cette histoire, c'est celle de l'humanisme démocratique, c'est-à-dire euh, de femmes et d'hommes, euh, de familles qui s'engagent en politique par idéal. Et cet idéal, c'est la construction d'une société, d'un projet de société qui est aujourd'hui tellement indispensable dans le monde effrayant dans, laquelle, dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes entrés, en vérité, nous sommes entrés le, 22 février, le 24 février 2022, au moment où Poutine a, a lancé son armée si puissante, appuyée sur des forces si impressionnantes. Sur l'Ukraine, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, ne demandait rien à personne. Euh, sur l'Ukraine, euh, c'est un pays grand comme la France quand même, euh, et qui n'avait pas, elle, ce, ce niveau d'équipement, d'entraînement, et dont tout le monde imaginait euh, qu'elle euh, allait être emportée en quelques heures, en quelques jours. Je me souviens encore d'un d'un leader politique, c'est de Jean-Luc Mélenchon qu'il s'agit, mais il n'était pas tout seul à penser la même chose, mais il a dit à la télé, mais qui peut imaginer que l'Ukraine résiste à l'armée russe Et puis l'Ukraine, par un sursaut héroïque, a résisté. Cet événement-là, dont on aura l'occasion de parler ce week-end, a été un détonateur, et un détonateur pour des explosions en chaîne dont hélas nous vérifions chaque jour euh, à quel point elle déstabilise le monde. Et ça ne nous empêche pas de dire que précisément nous avons une pensée bouleversée pour les jeunes Russes qui ont été, centaines de jeunes Russes qui ont été tués euh, à Moscou, dans la banlieue de Moscou parce que nous ne séparons pas les victimes, que nous sommes euh, de la même indignation et de la même révolte à l'égard de, euh, de ceux qui ont été frappés hier soir, comme nous l'étions à l'égard de ceux qui ont été frappés au Bataclan. Euh, nous sommes réunis ici avec euh, des alliés euh, que nous avons déjà vus par l'intermédiaire de leurs responsables des jeunes. Euh, euh, qui sont euh, les membres de Renaissance, les membres d'Horizon euh, et tous les mouvements européens qui les incarnent. Et ces mouvements alliés que nous allons voir pendant tout le week-end, ils sont pour nous euh, infiniment précieux. Et peut-être on peut les applaudir pour leur souhaiter la bienvenue. Mais nous avons aussi des partenaires. Dans la société civile, tous ceux qui réfléchissent aux enjeux démocratiques. Et nous en verrons quelques-uns tout à l'heure sur la scène. Je, je fais un clin d'œil à Jean-Garry qui est là. Nous avons, des partenaires, nous avons des partenaires dans la vie politique française qui sont parfois en déshérence, en recherche euh, d'un côté et de l'autre comme on dit par exemple dans les partis de gouvernement qui sont qui traversent qui sont moins bien qu'ils n'ont été mais qui ne sont pas des adversaires pour nous. Euh, nous avons des partenaires euh, et puis nous avons des ennemis. Et je voudrais dire qui sont les ennemis. Notre ennemi principal, c'est la résignation et le défaitisme. C'est l'idée qu'on se décourage et qu'on ne croit plus en rien. Et cet ennemi-là, il est en effet puissant dans l'état de la société française aujourd'hui. Et cet ennemi-là, il sert les autres ennemis, tous ceux qui veulent transformer cette insatisfaction en détestation et en haine. Tous ceux qui veulent trouver dans notre pays, dans notre communauté nationale, dans le peuple qui vit euh, dans notre pays, euh, des boucs émissaires, en faisant porter sur eux toute la responsabilité et toutes les difficultés. C'est pourquoi nous avons, dans ce week-end, une mission, c'est de porter un projet d'espoir pour la France. J'ai employé le mot espoir et pas le mot espérance. C'est pourtant espérance le plus joli mot de la langue française. Parce que l'espérance, c'est de tous les temps. Et c'est envers et contre tout. Et c'est pourquoi Peggy, dans cette région, on peut citer son nom, c'est pourquoi Peggy regardait l'espérance dans les trois vertus. Euh, l'espérance, la charité et la foi, Peguy disait, la foi, je comprends, parce que c'est tellement évident, il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde. La charité, je comprends. faut bien qu'on s'entraide. La seule qui m'étonne, c'est l'espérance. L'espérance, elle est de tous les temps. Mais l'espoir, ce n'est pas la même chose, parce que l'espoir, c'est concret. L'espoir... C'est un chemin qu'on définit, c'est un but qu'on se fixe et c'est des étapes qu'on précise. C'est cela le but de ce congrès. Quel projet d'espoir porté vers l'avenir nous pouvons proposer aujourd'hui à la France, avec nos partenaires, avec nos alliés, y compris même avec nos concurrents mais contre ces ennemis, qui signifie qu'on baisse les bras et qu'on se met à détester les autres. Nous nous voulons construire, et c'est ça le, la mission et l'ordre du jour du Congrès. Merci d'être là, merci de votre confiance, merci aux parlementaires qui sont là, députés, sénateurs, parlementaires européens, merci aux membres du gouvernement actuels, euh, passés et futurs qui sont avec nous. C'est précieux qu'on soit ensemble. Merci.